déchaîne tes finances. Je libère tes finances au nom de Jésus. Allez! Allez! Colonne! Au nom de Jésus. Ils ont bloqué son argent, ils ont bloqué tout son argent. Et quand il a l'argent, ça ne reste pas. Colonne! Laissez-le au nom de Jésus. Laissez ses finances maintenant. La puissance de Jésus-Christ te délivre maintenant même. Cette puissance de Jésus te libère maintenant. Tu m'entends maintenant même. La puissance de Jésus-Christ te délivre maintenant. Reçois maintenant même ta délivrance. Allez, lâchez-le. Lâchez ses finances. La puissance, oui, lâchez ses finances. Lâchez-le. 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 Allez. Lâchez-le. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, la puissance de Jésus te délivre maintenant, la puissance de Dieu te délivre maintenant, la puissance de Dieu te délivre. Allez, lâchez-le. Enlevez sa montre. Je te déchaîne maintenant. Je te déchaîne maintenant. Je te déchaîne maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, lâchez-le. Lâchez ses finances maintenant. Lâchez ses finances maintenant. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu te libère. Libérez-le. Vous m'attendez? Lâchez-le. Le feu. 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 Allez. Feu. 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 Lâchez-le. Au nom de Jésus. Vous pouvez libérer maintenant même. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Libérez-le. Libérez ses finances. Libérez ses finances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez-le. Maintenant même. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Vous le libérez maintenant, au nom de Jésus. Allez, lâchez-le. Lâchez-le. Je te déchaîne là. Acclamez Jésus-Christ pour sa délivrance. En famille avec toi. Le petit, comment il était? Il est, c'est qui? Le petit, là, même fait ça. Oui, il est où? Tu voulais manger? Abouti. C'est ça? Tu l'as transformé à Abouti, c'est ça? Hein, tu voulais manger ce jour-là? C'est ça qu'on appelle accompagner. Ta petite a checké. Tu veux accompagner ça, quelque chose vient. Et puis tu tues. Maintenant, l'autre là. Hein? L'autre jeune là. On a creusé l'eau dans la lagune, un trou dans la lagune. Mmh. Et il est parti chercher des coquillages. Et puis je lui ai poussé, il est tombé dans le trou. Il est mort là-bas dans l'eau. Comment tu t'es arrangé? L'autre là, c'est qui? Akessé. Hein? Akessé. Il a caissé. Il est de votre famille. Yeah. Hein? Oui. L'autre fille, c'est avec ce que j'ai vu à ce moment-là. Ça tue combien? C'est 6 et puis il y a 4 qui ont provoqué accident et puis ils sont encore accident. 4 garçons. 4 garçons. Tu as tué 6. C'est ça? 4 garçons. Non. Tu as tué 6 personnes. Ce que j'ai. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit 10. Non, 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 non.
Elle a programmé, c'était son monde accident. Maintenant, ça fait 10, c'est ça? Ok. Comment tu arrives à programmer accident? Quand je suis là, quand je pense mal, ça arrive. Non, explique la situation. Je parle, qu'est-ce que tu fais pour programmer accident? Pour programmer accident, là. Quand je suis là, ça vient dans ma tête comme ça. Et quand je pense mal, ça arrive. Quand je pense mal à quelqu'un, ça arrive. Mais ils t'ont fait quoi, ce accident-là? Ils m'ont rien fait. Ils t'ont rien fait. Et puis tu as pensé, quel est le lien entre toi et toi? Vous êtes de la même famille? Hein? Non, mais tu peux me donner le nom de quelqu'un qui a tué un accident? Je dis quatre garçons. Ces personnes-là, ces personnes-là, je ne les connais pas. J'ai voyagé et puis je vois ils ont fait un accident sur la route. Maintenant, en rêve, on me dit, voici ce que tu as fait. Madame, c'est moi où vous voulez jouer. Non, mais tu ne peux pas agir dans le désordre. La sorcellerie est très organisée. Ce n'est pas quelque chose de bête. Tu ne te lèves pas un matin pour vous dire non, tu te lèves, non, tu avais un accident. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et puis d'ailleurs, vous avez menti. Vous avez dit 10 personnes, peut-être c'est 18 personnes. C'est pas ce qu'il dit? C'est 18 personnes, c'est pas 10 personnes. On est d'accord ça? On est d'après ça? Oui. Pendant que vous parlez, le Saint-Esprit me parle. C'est 18 personnes, ce n'est pas 10 personnes. Ok? Oui. Mais pourquoi vous dites que c'est 10 personnes? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à changer? Oui, je suis prêt à changer. Hein? Vous voulez changer? Oui. Vous voulez abandonner cette pratique? Je vais abandonner. Mais pourquoi tu ne dis pas la vérité? Pourquoi tu es venu ici parce qu'on n'avait pas de voir? Il y a ce que toi tu dis. Déjà que le fait d'être ici, là, je vois déjà ce que tu as fait. Je suis déjà au courant de tout. Maintenant, c'est à toi de parler. Tu parles, Dieu te délivre. C'est tout. Ici, là, c'est les aveux. Et tous ceux qui ont fait des aveux ont été délivrés. Tous ceux qui ont parlé, qui ont fait des aveux, ont été tous délivrés. Ceux qui n'ont pas voulu parler, comme la jeune fille, là, ont tous eu des problèmes. On a eu des gens qui ont eu des problèmes très graves en bas. Qu'est-ce que tu veux en réalité? Ok, quelles sont la vie des gens que tu as gâtés? La vie des gens que j'ai gâtés. J'ai gâté la vie de Gisèle. Hein? J'ai gâté la vie de Gisèle. C'est qui? C'est l'enfant de ma soeur. Elle est où? Elle est au village. Dans le village. Comment tu as gâché sa vie? Elle est devenue docteur. Tu as compris? Non. Comment tu as gâché sa vie? Elle est devenue docteur. Comment tu as gâché sa vie? Non, je sais. Il faut qu'elle dise qu'elle-même. Elle est née docteur. Ça, ça veut rien dire. Comment tu as gâché sa vie? C'est moi qui t'ai arrivé à Abidjan pour t'avoir dit. Je t'ai demandé, tu dis, non, je vais être délivré de la sorcellerie. J'ai ça. C'est pour venir jouer la comédie ici. J'ai mis les choses dans sa vie. Hein? J'ai poussé les esprits contre elle. Hein? Et puis elle est devenue docteur. J'ai dit que j'ai les esprits contre elle. Tu dis, t'as fait quoi? Je l'ai rendu docteur. J'ai dit. T'as fait quoi? J'ai dit, j'ai poussé les esprits contre elle. Tu as poussé les esprits, ça veut dire quoi? J'ai envoyé des esprits dans sa vie. Il l'a rendu folle. Il faut dire folie là-dedans. Ça va nous arranger. On va bien comprendre. Il l'a rendu folle. Comment tu l'as rendu folle? C'est ça, il dit j'ai poussé des esprits folle. Comment tu as fait? J'ai envoyé les esprits dans sa vie. Oui, mais comment tu as envoyé les esprits? Explique comment tu envoies la personne est là. Comment tu envoies l'esprit? J'ai prononcé ça dans sa vie. Ah, tu es là, tu parles. Et puis tu dis quoi? Elle n'a qu'à devenir folle. Puis tu dis aux esprits. Non, répète-moi ça. Comment tu fais? J'ai programmé ça dans sa vie. Mais explique. Que ça n'a, j'ai dit que ça n'a qu'à arriver dans sa vie. À quelle heure de la nuit, c'est comment? Dans la nuit, comme dans la journée. Et puis ça arrive dans sa vie.
Vous pouvez comprendre tout ce qu'elle dit là. Non, on ne saisit rien de tout ce que tu dis. J'ai déclaré la folie dans sa vie et puis ça l'a arrêté. Hmm. Comment tu as déclaré? Tu as dit quoi? Je lui ai dit que Gisèle, peut-être Gisèle devient folle. Elle t'a fait quoi? Elle m'a rien fait. Pourquoi Gisèle devient folle? Pour rien. Elle t'a rien fait, puis tu dis Gisèle n'a qu'à devenir folle. Et à combien de temps elle est folle? Ça fait quelques années. Non, quand tu as dit là, c'est le même jour, mais c'est le lendemain elle est folle. Non, c'est pas le même jour. Mm-hmm. Dans un mois. Un mois après, elle est venue folle. Mm-hmm. Et elle s'est retrouvée où? Elle est où? Elle est au village. Elle est au village. Mm-hmm. C'est toi qui as fait ça? Mm-hmm. C'est quel village? Digo. Hein? Digo. Où là? Digo. C'est où? Digo. Je suis cette idée. Ok. Tu as gâté qui encore? Mm-hmm. J'ai ma fille, j'ai occupé ses pieds. Hein? J'ai embouté les pieds de ma fille. Esprit, tu as embouté les pieds de ta fille. Mmh. Ça veut dire quoi? J'ai mis la maladie dans ses pieds. Ses mmh. pieds, là, c'est devenu noir noir, les taches noir noir. Et puis mon mari aussi, j'ai attaqué. Non, 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 le pied de ta fille, là. Mmh. Comment tu as mis, tu as embouté ça? J'ai mis peine dedans. Hein? Peine noire. Hein? Noir. C'est des termites, moi c'est peine. C'est des termites, c'est ça? Mmh. C'est ce que je vais te dire. C'est des termites que tu as mis dans ses pieds. Tu vas prononcer ça, tu vas dire ça. Hein? J'ai mis des termites dans ses pieds. Mmh. Si j'ai celui de mon mari, j'ai gâté aussi. Hein? Celui de mon mari là. J'ai gâté. Elle a gardé celui de son mari. Tu as fait quoi? Marie. Je ne sais pas trop. Tu t'as trompé. Hein? Comment t'as gardé ta figure? Sa figure, j'ai mis des manières dedans. Et puis ça se tournait dedans. Quand ça le pique, la figure quand elle est noire. Ah, ça le pique les manières. Comment tu t'as rangé les manières? J'ai déclaré ça dans ta figure. J'ai déclaré ça dans sa vie. Quand tu dis que tu as déclaré dans sa vie, comment tu pratiques ça? Tu dis quoi? J'ai dit, moi j'ai déclaré quelque chose, j'ai envie de ça, ça te dit, à la maman. Tout ça a pris vraiment. Tu fais quoi? Ça a pris vraiment. Tu fais quoi encore? Tu as fait quoi encore? J'ai rencontré les filles là, j'ai gâté. Et puis, j'ai fait avorter les femmes qui sont enceintes. Tu les fais avorter? Comment tu fais avorter les femmes enceintes? On m'a donné un sac de garçons. Ça veut dire ça, j'ai fait ça. Tu as un sac de garçons? Mets-toi ici. Tu fais sortir ça? Non. Hein? Oui, mais ça sort quand même. C'est spirituel. Donc toi, tu es femme, tu deviens un garçon. Madame, répondez-moi. Je pose une question. C'est ça? Oui. Quand vous dites garçon, c'est des garçons. Tu es femme, tu deviens garçon. Comment tu fais? Tu t'arranges comment? Je me touche avec les filles de celle à ses gâtes. Hein? Je me couche avec les filles de celle à ses gâtes. Ses gâtes. Comment tu fais pour aller coucher avec les femmes? Quand ils sont là, quand elles dorment là, je vais me coucher avec. Mais comment tu t'arranges à aller dormir avec les femmes des gens? Est-ce qu'une femme a une grossesse, c'est qu'elle est mariée? Quelle est sûre, celle-là, je sais pas. Hein? Quelle est sûre, celle-là, je sais pas. Sorcellerie connaît-elle? C'est bon, distrait. Mais comment tu arrives à rentrer dans sa maison? J'ai ouvert la porte et puis j'ai comment? Est-ce que vous arrivez, est-ce que vous ouvrez la porte? Moi je passe par les coups de porte. Hein? Je passe par les coups de porte là pour rentrer. Hein? Est-ce que vous avez le temps d'ouvrir? Elle doit attendre d'aller faire quelques minutes. Tu parles, tu rentres dans la maison. Toi c'était ta maison. Tu connais ça, c'est délire. Et puis tu fais quoi? Et puis je vole en sorcellerie. Hein? Je vole. Tu fais quoi? Je vole.
Tu voyais quoi? Je vole. Vol. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un me la fait plus, je prends. Je vole ça. Et puis tu fais quoi? Et puis les marchés. Les marchés là. Quand je vais dans les marchés, j'envoie les trucs dans les marchés pour ne pas que ça marche. C'est-à-dire quand les gens vendent, toi tu viens envoûter ça. Elle peut expliquer. Quand les gens vendent, j'envoûte les marchandises là. Comment tu arrives à envoûter les marchandises des gens qui vendent? Toutes les ventes là. Je m'arrête touché. Je touche ça, je menace ça. Explique. C'est spirituel, quand tu viens là, tu touches. Madame, c'est combien aubergine là? C'est simple. Hein? Tu touches ça. C'est spirituel. Mm-hmm. C'est spirituel que je touche ça. Mm-hmm. Pour ne pas que ça marche. Tu fais placali, ça ne marche pas. C'est mouche qui est client. Placali chaud. Jusqu'à 18h. C'est mouche qui sont des clients. Et tu fais quoi encore? On t'écoute, hein? Oui. C'est toi qui dis que tu es venu de faire délivrance. C'est comme ça. J'ai quitté ici pour aller attaquer au Ghana. Je suis parti attaquer au Ghana. Tu as quitté ici pour aller attaquer les gens au Ghana. Comment tu fais? Je m'en fous. Hein? Je m'envole. Tu t'envoles. Comment tu fais? Je m'envole et puis je vais au Ghana. Tu deviens oiseau. Mm-hmm. Comment? C'est quel genre d'oiseau? Mm-hmm. Oui. Et puis je vais au Ghana. Mm-hmm. Je suis parti là une fois pour aller attaquer. Attaquer qui? Les gens de là-bas. Mais quel genre de là-bas? Je suis parti attaquer un monsieur tout sa femme. Oui, qui? Je suis rentré comme ça dans leur maison. Et tu as fait quoi encore? Et j'ai attaqué. Je vais dans les vies des gens, je chie dans les douches à quoi? Tu fais quoi? Je chie dans les douches. Dans les douches? Dans les douches pour amputer. Où tu fais ça? Abidjan. Tu rentres, tu fais ça? Pour amputer les douches. C'est pourquoi? Pour les noisies, pour avoir la chance. Pour les noisies. Mmh. Pour les noisies. Mmh. Allons-y. Mmh. Maintenant, j'ai gâté le travail de mes deux beaux. Ça fait quoi? J'ai gâté le travail. Travail de qui? Mes deux beaux. Quel beau? Petit frère de mon mari. Petit frère de ton mari. Comment tu as gardé le travail? J'ai gardé le travail. De la manière qu'elle travaillait, ce n'est plus ça. Non, mais explique. Que l'explication là, tu n'allais pas faire. J'ai mis caméra devant sa maison. Donc on le contrôle. Avec quoi? Pour le contrôle. Comment tu es arrivé à mettre la caméra? Je suis allé déposer devant ta porte. Comment? Tu vas aller faire tout à déposer. Donc, contrôle les gens caméra. Mm-hmm. Mm-hmm. Comment tu fais? Je dépose. Mais comment tu arrives à fabriquer et déposer? Donc, tu le suivais partout. C'est ça? Mm-hmm. Allons-y. Quand son oncle est allé au Nigeria, je suis allé là-bas et je suis parti lui attaquer là-bas et puis il est malade. Il était tombé malade. Tu as parlé de deux. Et puis j'ai pas dit. Le deux, le beau là. Son nom, c'est, les deux beaux là, on peut connaître le nom. Il y a Benjamin et puis Sandy. Il y a Benjamin et qui? Sandy. Sandy. Mmh. Comment tu arrives à les attaquer? C'est leur oncle là. Baba Lofer, quand il est parti au Nigeria, je lui ai attaqué et puis il est tombé malade. Mm-hmm. Il t'a fait quoi? Il n'a rien fait. Tu es allé au Nigeria derrière lui pour l'attaquer. Mm-hmm. Maintenant, les deux autres là, comment tu les surveilles? C'est avec la caméra. Hein? Avec la caméra. Comment tu arrives à mettre la caméra?
Tu l'as contrôlé. J'ai déposé devant sa porte. Puis je le contrôle. Ça fait quoi? J'ai déposé devant sa porte et puis je le contrôle. Comment tu arrives à déposer la caméra? Moi, ça m'intéresse. Hein? Comment tu arrives à déposer la caméra? Il y a quelque chose que tu n'as pas encore dit. Je voudrais que ça ressorte. Comme ça, tu achèves les aveux. Il y a quelque chose. Tu vis, il y a un oiseau qui est une hirondelle, c'est là en toi. Et l'oiseau là, quand ça voit la chambre des gens, tu parles, l'oiseau là va chier sur la tête des gens, puis ça gâte leur chance. Donc partout tu passes, là tu fais. C'est pas ce que j'ai dit? C'est vrai. Mais quoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi tu dis pas ça? Tu n'as pas envie de parler, c'est ça? Non, moi j'ai l'envie de parler, c'est ça, ici je suis venu. Non, moi je ne connais pas ici. Oui, mais tu as envie de parler, mais tu ne dis pas d'autres choses. Tu fais quelle heure? Parce qu'au moment que c'est qu'on se remet de suspens. Je suis parti dans une église. C'est moi qui nettoyais là-bas. Et en esprit, l'oiseau qui est à moi, j'ai chié là-bas, ça t'a décoiffé. L'oiseau là. Et ça a gâté l'église. Et la femme même, elle a dit ça. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça. L'oiseau de caca, chaud, caca de l'oiseau là. J'ai mis ça. Dans l'église. Mais tu as ça, je t'ai parlé ça. Mais tu n'as pas parlé de ça tout à l'heure. Tu étais là, mais tu ne parlais pas de ça. Tu parles d'attaque là. Tu... Je veux que le Seigneur m'a dit ces choses. En condition que toi tu fais des aveux, c'est tout. Dieu est prêt à te délivrer. Tu peux venir faire semblant. Il y a ça aussi. Venir devant nous pour dire non, tu es délivré. Et puis le diable va te dire non, ne parle pas. Et toi, tu as écouté le diable. Si tu écoutes le diable, tu ne peux pas délivrer. Ici, là, chaque homme de. Moi, ma méthode ici, c'est de te faire parler. Si tu as tout dit, tu es délivré. Et bon, je saurai si tu as tout dit, ça va être à tout dit. Je ne te mets pas là pour t'humilier. Toute personne qui est passée ici, les aveux là, ces personnes ont été toutes délivrées. Donc, si tu parles, tu es libéré. Quand tu es venu ici, là, c'est qui tu voulais gâter? Il y a 5 personnes qui ont voulu gâter, ça n'a pas marché. C'est qui? Montre-moi les noms des personnes. Il faut les indexer. Ton oiseau l'a voulu gâter, c'est sa rentrée. 5 personnes, c'est qui? Il faut les toucher. Madame, montre-moi les personnes. Madame, montre-moi les personnes. Chacun se cherche. Voilà, ça là, voilà. Là, vous voyez la touche. Voilà, elle, oui. Il est chez vous, il est empoisonné. Amen. Amen. Ici, la sorcière est faite toujours. Sans mâchoire, tout est verrouillé ici. Amen. Voilà, pour expliquer comment tu as voulu gâter les seins. Tu es venu ici, là, pour être délivré. Pourquoi pour la sorcière, c'est une maladie? Tu viens pour être délivré quelque part et toi tu viens essayer pour gâter. Faut expliquer. Madame, expliquez. Expliquez. Elles sont là. Explique.
Moi, je viens sortir pour gâter les. Non, explique celle-là. Elle est là, t'explique. Elle est là, t'explique. Je sais pas, ici, on n'est pas violent. Non, ici, c'est pas la violence. Ici, là, ça a beaucoup de douceur. On ne met pas des pressions sur des pressions, non. Comment tu as fait? Elle était ici, tu l'as vu, n'est-ce pas? Hein? Et puis l'esprit t'a dit de gâter. Et puis comment c'est passé? Je voulais sortir pour aller gâter. Je n'ai pas gâté. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a rien fait. Non. Pourquoi tu n'as pas reçu ta mission? Parce que je ne touche à ça. Hein? Parce que la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Non, tu ne t'as pas arrêté là. Hein? Tu as essayé encore. J'ai essayé encore tout seul. Hein? Je suis tout seul. Comment tu essayes? Je voulais sortir et puis attendre les attaques. Qu'est-ce que tu as vu justement? Ça c'est important aussi. Qu'est-ce que tu as vu pour gâter? Tu as vu quoi, ciel? Je sais qu'ils vont reçu. Non, oui, mais quel reçu tu as vu? La prospérité. Hein? Elle va avoir l'argent. Vous me donnez un peu aussi. Hein? Donc, elle voulait avoir l'argent, c'est ce que tu voulais gâter. Et puis qu'est-ce que tu as retenu? Tu as vu le feu autour d'elle. Ok. Celle aussi. La même chose. Elle va avoir l'argent. Et l'autre? La même chose. La même chose. Et l'autre? La même chose. Et l'autre? La même chose. Ah, donc, toi, tu as vu que ces cinq personnes auront l'argent dans le futur. Donc, c'est ce que l'esprit a dit, il faut gâter. Donc, quand tu as essayé de vouloir gâter, tu as vu qu'ils étaient entourés de choses. Ça veut dire que vous-même, vous devez être chercheur dans la présence de Dieu. On est d'accord? Soyez bénis, allez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. Pas les venus sous chérie. On dit les chouris empoisonnés. Amen. Les chouris empoisonnés. On n'étend pas Dieu. Voilà, vous voyez. C'est en cela que la sorcellerie est une maladie. Vous voyez. Moi, j'ai plus compassion qu'elle parle. Je vois en elle qu'elle est malade. Tu viens te faire soigner quelque part, mais comme ce qui est en toi gâte. Toi, tu vois que ah, telle personne doit avoir l'argent, l'esprit dit va gâter. Tu essaies quand même. Tu ne t'arrêtes pas sur cette personne, tu reviens pas essayer. Vous savez pas ici, là, t'es consacré. Ici, là, c'est consacré. Madame, tu penses que c'est dans l'église avant, tu s'en vas, tu chies. Ici, c'est la brigade anti. Jamais permettre ça. Amen. Vous courez pour être. Il permettra jamais ça. Vous courez pour être dans sa présence. Et puis il a dit à Satan, mange-les. Non. Dis à quelqu'un, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Vous voyez comment le diable, il est peint de sang. Les gens viennent se réfugier dans la présence de Dieu. Et toi, tu vois les chants, tu veux gâter. Eh, j'ai commencé à avoir le masque de la mort sur toi. Hein. Tu vois comme ton visage a changé. Tout à l'heure, tu as commencé à bien parler dans le bureau. Le visage a changé, tu vois. Tu commences à porter encore le masque de la mort. Si c'est l'enfer, c'est funéraire avec toi. Mais les sorciers, comment vous avez peur? Qui est empoisonné ici? C'est elle-même sa sorcellerie. Tu ne veux pas changer? Tu ne veux pas changer? Hein? Tu ne veux pas changer? Tu ne veux pas? Laissez. Tu vas faire sorcellerie encore? Tu vas faire? Tu vas aller manger bien de l'homme? C'est ça? Tu vas continuer. La vieille, vous êtes sorcier? Vous demandez. Vous êtes sorcier? Oui, papa. Hein? Oui. Ok, moi je suis prêt à t'aider. Chose bizarre, c'est que moi j'apprends beaucoup avec Dieu. Quand elle est rentrée dans le bureau, c'est comme un manteau, quelqu'un à qui ils ont porté la sorcellerie. Donc on ne voyait pas.
Mais elle est très terrible en matière de sorcellerie. Alors quand je suis allé à la maison, Dieu m'a ramené le film de comment elle s'est métamorphosée. Je suis resté tranquille. Tu veux être aidé? Tu veux qu'on t'aide? Je donne des nations ce soir. Ok? Tu as compris? Je donne des nations ce soir. Le pasteur va te reprendre. J'ai envie de bien de te faire des aveux, mais ça va prendre du temps. Le pasteur va te reprendre. Demain matin, je vais poursuivre ça. Et puis, je vais délivrer toute la famille. Tu es d'accord avec ça? Tu veux délivrer? Je t'aime de vous tout le monde. Vous n'aurez pas.